Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. Je vous avais dit il y a quelque temps que j'allais vous faire des rapports de bataille suite à un tournoi auquel j'aurais dû participer. Seulement j'ai été malade, donc je n'ai pas participé à ce tournoi. Vous pouvez l'entendre à ma voix, je ne suis pas encore tout à fait remis. Et donc ici, je vais vous proposer un rapport de bataille de triomphe et trahison, histoire de faire quand même quelque chose et quelque chose de rigolo. Donc laissez-moi vous présenter les protagonistes de cette bataille. Joueur ogre. Alors, on a un pavé de buffle avec un personnage dedans, c'est un cogneur, je crois. Deux chats, un lance-ferraille, un bout de fer, deux cannibales. Et comme mercenaire, le joueur a choisi de prendre un chef orc sur sanglier et un char orc. Joueur contre vampire. Une unité de 24 ghouls, une unité de 19 gardes des cryptes, un warghoulf. Une unité de deux nuées, ainsi qu'un nécromancien niveau 1 et un vampire niveau 1. Joueur roi des tombes, un prince sur char qui accompagne une unité de 5 chars, une unité de 3, je crois que c'est des chevaliers des nécropoles, qui sont enfuis, un scorpion qui est également enfui, et tout seul, perdu dans la pampa, il y a le hiérophante qui va se balader. Joueur elfe sylvain. Deux unités de 10 dryades, une unité de 10 archers, une unité de 3 lémures, une unité de 5 forestiers accompagnée par un personnage forestier et une enchanteresse. Et enfin mon armée, celle que je vais jouer. Donc homme bête, 3 chars, 2 fois 3 minots, un géant, une fois 5 pillards et un chaman niveau 2 comme général. Voilà, maintenant que vous connaissez qui va participer à cette bataille, laissez-moi vous donner 2-3 informations sur le scénario ainsi que sur la phase de déploiement. Le scénario est point stratégique, c'est le premier du livre de Triomphe et Trahison. Chaque joueur, au moment de se déployer, choisit un morceau de table représenté par les carrés de 60 sur 60. Un point central est mis sur la table. À la fin de chaque tour, l'unité du joueur le plus proche rapporte 100 points à ce joueur-là. Sinon, c'est un déploiement classique alterné et on n'a pas le droit à se déployer à moins de 12 pouces d'une unité adverse. Donc, autant vous dire que pour le déploiement, ça a été assez, disons, assez rigolo. Je vais vous présenter les déploiements armée par armée, mais il faut bien se dire qu'à chaque fois qu'on posait une unité en alternance, ça veut dire que ça restreignait les possibilités des autres joueurs. Donc, autant dire qu'à la fin, le joueur ogre s'est retrouvé avec un casse-tête assez mémorable. Je vais également vous parler du terrain. Donc, de gauche à droite, en haut, on a une forêt, en bas, on a un infranchissable, au milieu, on a une colline, en dessous, on a une ruine qu'on a considérée comme un terrain, difficile. Le petit rond avec les deux arbres, c'est la forêt des elfes sylvains qu'il a posée après avoir choisi son côté de table. Et les deux autres forêts sont des forêts tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est parti, le premier joueur à se déployer est le joueur roi des tombes. Alors le joueur roi des tombes a un problème principal, c'est qu'il n'a pas grand-chose à déployer. Donc il pose son unité de char avec son prince dedans et son hiérophante. Les chevaliers des nécropoles et le scorpion étant enfuis, ils arriveront au début du tour 2. Deuxième joueur, le joueur elfe sylvain. Alors, unité de dryade, unité de dryade, l'unité de 3 lémures, les 10 archers en haut et l'enchanteresse. Les forestiers étant éclaireurs, ils sont mis à la fin des déploiements de toutes les armées. À mon tour de me déployer, je pose d'abord un char. Si je le mets là, c'est pour enquiquiner absolument tout le monde à 12 pouces. Un deuxième char, une unité de 3 minotaures et le géant en direction des elfes sylvains. Faut pas leur faire confiance, c'est des elfes sylvains après tout. Une unité de 3 minots en bas, un char ainsi que mes 5 pillards. Et avec les 5 pillards, je rajoute mon chaman à pied. Le joueur contre vampire a d'abord posé son unité de nuée en direction des ogres, histoire aussi d'enquiquiner, je dirais, il n'y a pas de raison. Et ensuite, il a vu la méga opportunité qu'il avait, donc il a tout positionné en direction du pavé de char. Donc les ghouls à gauche, le warghoulf et les gardiens des cryptes sur la droite. Et voilà, c'est au joueur ogre de se déployer dans un mouchoir de poche. Donc, il pose d'abord un chat pour avoir l'objectif au moins au premier tour.
Ensuite, le lance-ferraille, son pavé de buffle, bah, tout au fond, c'est un peu le seul endroit où vous pouvez le mettre. Le bout de fer sur la colline, le char orc qui regarde en direction des nuées, le deuxième chat qui regarde en direction des elfes sylvains et des hommes bêtes, et le personnage sur sanglier entre les deux machines de guerre qui sont sur la colline. Les cannibales arriveront par un bord de table les tours d'après. Le joueur elfe sylvain se tâte longuement, mais finit par mettre ses forestiers du côté des contes vampires, après maintes tractations diverses et variées. Et hop, début des hostilités, c'est au joueur ogre de commencer. Le char charge les nuées, les ogres essayent mais obtiennent 11 sur les dés, et comme la limite était à 12, bah, ils ne peuvent pas charger, donc ils avancent lamentablement tout droit. Le joueur ogre n'ayant pas de magie, on passe directement à la phase de tir. Il cible mon armée, le lance-ferraille vise mon général, mais dévie un tout petit peu et ne tue qu'un gore, tandis que le bout de fer fusille les minotaures, le premier y passe vaporisé, tandis que le second n'est pas blessé et le boulet s'arrête là. Phase de corps à corps, il n'y a pas choix, c'est contre les contes vampires. Le char n'étant pas magique ne peut pas toucher les nuées bracassées ne font rien. Elles perdent de 1, donc elles perdent un point de vie. C'est au joueur contre vampire, et là c'est la fête. Le contre vampire déclare la charge avec les ghouls, le wargoulf et les gardes des cryptes sur l'unité de char. Il n'y aura que les ghouls et le wargoulf qui vont atteindre l'unité. Les gardes des cryptes étant un peu mis à mal par la forêt, ne feront qu'avancer tout droit. Au niveau de la phase de magie des contre vampires, le contre vampire n'ayant que l'invocation, il va rien passer du tout. Par contre, à la phase de corps à corps, il va se faire plaisir. Donc, à la fin du combat, trois chars ont sauté, deux points de vie sur le prince également. Deux du côté des rois des tombes, il a juste réussi à faire perdre une goule à l'unité de goule. Autant vous dire que c'est formidable. Mais il réussit une reformation et se met de face pour le prochain corps à corps. Joueur elfe sylvain, un petit peu timide, il va se contenter d'avancer ses lémures et ses archers pour faire bonne figure. Au niveau de la phase de magie, il va faire bouger une forêt. De façon générale, lorsqu'il fait bouger ses forêts, ça influence pas énormément, ça n'aura pas d'influence énormément sur le jeu. Donc, je ne bougerai pas les forêts sur la map. Je suis désolé, joueur elf sylvain, pardon. Au niveau de la phase de tir, les forestiers arrivent à dézinguer deux gardes des cryptes. Ça s'arrêtera là pour le tour des elfes sylvains. Tour de jeu homme bête, une grosse avancée sur mon côté gauche pour aller essayer de récupérer des points avec le point stratégique. Et après une tractation avec l'aile sylvain, on se dit que le côté gauche mériterait qu'on s'investisse un peu plus et qu'on se foute un peu mutuellement la paix. Donc je bouge mon géant, mes minots, pour aller dire coucou au niveau des ogres. Et le dernier char, par contre, lui, va faire le tour de la forêt pour aller prêter main forte à l'autre char qui se trouve tout en bas. Phase de magie, j'ai le domaine de la sauvagerie, mais pas de sort très intéressant, donc je ne fais rien. Et phase de tir, Mungor décide de se venger de la perte d'un des leurs et tire sur le chat. Mais c'est des Ungor, ils ont des arcs courts, ils sont pas bons en tir. Bref, pour l'instant, ils font juste une volée de sommation, histoire de dire, ah, mec, on est là, fais gaffe. Enfin, c'est au tour du joueur roi des tombes qui nous a tant vanté les capacités magiques de son hiérophante. Bref, il en a dans le pantalon, même si c'est une momie, et il va nous le prouver. Donc, phase de mouvement, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, vu que son unité est au corps à corps, le hiérophante. Reste bien où il est. Et c'est à ce moment-là où le premier coup de pute véritable de la partie commence, et c'est absolument jouissif. Donc, phase de magie, le joueur, roi des tombes, lance ses dés, il claque un as et un 2, donc ça lui fait 3 merveilleux dés de pouvoir. Le joueur contre vampire, lui, a 2 dés de dissipation, pas de canalisation de chaque côté, mais le joueur contre vampire joue une carte trahison qui fait que le joueur roi des tombes a moins 2 dés de pouvoir. Donc c'est assez merveilleux pour un roi des tombes actuellement. Il s'en ramasse plein la tronche. Bref, tout ça pour dire que la phase de magie est évidemment nulle et ne sert à rien. Il n'arrive pas à relever de char. Phase de corps à corps, ben, c'est un petit peu la fin de l'unité de char. Ses chars sont moissonnés, son prince meurt.
Et par contre, donc, à la mort du prince, il y a la malédiction. Je crois qu'il tue De Gaulle à grands coups de malédiction. Autant dire que c'était un pet dans l'eau. Fin du premier tour et donc petit bilan. Alors en tête est très largement le comte Vampire avec 850 points grâce à la destruction de l'unité de char du roi des tombes. Suivi par à égalité le roi des tombes, l'homme bête et le joueur elfe sylvain. On n'avait pas de mercenaires donc on avait 200 points de pièces de cuivre. Et en dernière position, l'ogre qui a quand même réussi à gagner 150 points. Pour ce qu'il a fait durant le tour. Début du tour 2, et c'est moi qui commence. Oh, joie! Je me dis, je vais pouvoir faire des points, c'est nickel. Alors, je décide de charger le bout de fer avec le géant. Malheureusement, il décide de ne pas marcher assez vite et avance pitoyablement tout droit. Pour compenser ça, je me dis, bon, mes minots, ça va être bien, je charge le chat qui se trouve sur la colline. Près du point stratégique, je me dis comme ça j'aurai le point stratégique, et je me vautre également sur la charge. Pire encore, au moment où je traverse le terrain difficile, je fais un jet de terrain dangereux, je me plante et je perds un point de vie sur un de mes minotaures. Youpi! Suite des mouvements, les deux minotaures en haut à droite vont suivre le géant, les chars vont se positionner en bas, et les pillards avec le général va se mettre dans les ruines. Du côté de la magie, il n'y a toujours rien qui se passe parce qu'il n'y a pas de sort utile à lancer à ce moment-là, puis je vais éviter de m'en ramasser plein la tronche. Ensuite, niveau tir, mes pierres essayent une fois de plus de tirer sur le chat. Cette fois-ci, il y en a un qui touche, mais il ne blesse pas, il ne faut pas déconner. Fin du tour en bête, je me sens super bien. Début du tour des rois des tombes, arrivée des chevaliers des nécropoles qui étaient enfuis. Il veut les faire arriver juste derrière l'unité de Ghoul, mais dévie un petit peu, donc elle arrivera à côté du terrain infranchissable. Arrivée également du scorpion qui, lui, a bien failli sortir de la table, et donc du coup arrive en bord de table, tout à gauche. Également, petit mouvement stratégique du Hiérophante pour se rapprocher de l'unité de chevalier des Nécropoles. Au niveau de la phase de magie, le joueur roi des tombes me cible, moi, parce qu'il se dit que j'en ai sans doute rien à taper de ce qu'il pourra lancer comme sort, et il a tout à fait raison. Donc, il obtient 8 dés de pouvoir. D'abord, il lance le sort de mouvement. Je vais bien entendu pas le dissiper. Moi, ça m'arrange si l'unité de ghoul y passe par les chevaliers des nécropoles. Il fait bouger ses chevaliers des nécropoles en direction de l'unité de ghoul. Ensuite, il lance son sort qui donne coup fatal à l'unité, si je ne me trompe. Ou si elle l'a déjà, coup fatal sur 5+. Bref, moi, ça m'intéresse pas, donc je laisse passer. Et le troisième sort qu'il lance ne passe pas. Donc ça fait fin de la phase de magie. Au niveau de la phase de tir et de la phase de corps à corps, bah, il n'y a rien du tout de son côté. Tour du joueur ogre, déclaration des charges. Le personnage orc charge, mon géant met rat de la charge. Le bout de fer charge par contre et réussit à engloutir le géant. Il positionne ensuite ses chats pour faire de la redirection. Il fait pivoter le lance-ferraille. Il fait une reformation avec son pavé de buffle. Et fait arriver un cannibale qui vient dire coucou à un de mes chars. Mais comme il ne peut pas charger, bah il s'arrête à un pouce. Phase de tir, le lance-ferraille essaie de tirer sur le vampire, mais dévie. Mais pour le bonheur des ogres, réussit à toucher de justesse le nécromancien qui perd un point de vie. Sous la grêle de petits débris que le lance-ferraille lui a envoyés. Phase de corps à corps, le joueur ogre me choisit moi, évidemment, c'est plus rentable. J'encaisse les touches d'impact avec le géant, au final, avec les touches d'impact et la bête, plus le gnoblard, plus l'ogre, bref. Le géant perd 3 points de vie en tout. Moi, de mon côté, je fais un merveilleux coup de massue. Il doit réussir un jet d'initiative avec l'initiative la plus basse. C'est-à-dire 2, il jette son dé et il fait un as, autant dire qu'il évite mon coup de massue. C'est pas terrible, terrible. Et voilà une belle alliance qui vole en éclats. La vilenie des elfes sylvains décide de profiter de l'opportunité et charge sournoisement, je tiens à préciser que c'était extrêmement sournois, vil, mesquin et petit, mes minotaures. Donc l'unité de dryade charge de flanc, l'unité de deux minots. Les autres dryades se rapprochent, l'enchanteresse également. Les lémures se repositionnent, les archers bougent un petit peu pour avoir des cibles à portée,
tandis que les forestiers ont été oubliés dans leur coin et devront donc se débrouiller sans soutien. Phase de magie, l'enchanteresse essaie de lancer une fureur de la forêt que je dissipe. Elle passera également un déplacement de forêt qui, une fois de plus, n'aura pas vraiment d'incidence sur le jeu. Phase de tir, les forestiers vont quand même réussir à faire quelque chose. Le personnage va utiliser sa grêle de mort. À ce moment-là, moi, je vais utiliser une carte, parce qu'il n'y a pas de raison que je ne me venge pas d'une charge en traître. Cette carte fait retirer tous les jets réussis au tir de l'unité. Autant dire que sur la grêle de mort, ça passait bien. Il arrivera quand même à tuer 4 gardes des cryptes qui se trouvent dans la forêt. Au niveau du corps à corps, les dryades ne me font rien, je fais perdre une dryade. Je perds le combat, mais je réussis mon jet de commandement et je reste. Par contre, je rate le jet de reformation et je me retrouverai de flanc également au tour d'après. Joueur contre vampire, le Warghoul remonte en direction des forestiers, les ghouls avancent et les gardes des cryptes avancent également et sortent de la forêt. Au niveau de la phase de magie, le joueur contre vampire claque un double 6 pour ses dés. Par contre, le joueur roi des tombes joue une carte où chaque fois qu'il lance un sort, chaque double est un fiasco. Donc autant dire que ça va être sympa. Le joueur contre vampire rate une fois une invocation de Nehek. Par contre, il réussira une deuxième avec son personnage vampire sans faire de double et fera repopper des gardes des cryptes et des ghouls. Il va oublier de rendre un point de vie à son nécromant, chose qui va lui porter préjudice plus tard. Au niveau de la phase de tir, il n'y en a toujours pas. Phase de corps à corps. Les nuées, pardon, réussissent à faire un point de vie au char. Cependant, le char reste sur place. Fin du tour 2 et bilan des petites caissettes. Alors, le joueur contre vampire avec 800 points. Pourquoi a-t-il baissé? Parce qu'il a filé des piécettes au roi des tombes. Il avait pitié de lui. On a beau être un mort-vivant, on peut quand même avoir un cœur tendre au fond. Très au fond, mais très sec. Bon, bref. Le joueur ogre avec 350, le joueur elfe sylvain avec 300, le joueur roi des tombes avec 250 et moi avec 200 points. Début du tour 3 et c'est moi qui commence et je suis bien décidé à mettre un grand coup cette fois-ci. Donc, mes minotaures réussissent à charger le chat. Alléluia. Mes pillards et mon général sortent des ruines pour se rapprocher le plus possible du point stratégique. Mes chars se disposent de façon à pouvoir charger au tour d'après le cannibale si il m'en laisse le temps et qu'il oublie par hasard de bouger. Tandis que celui qui est tout à gauche va se positionner à côté des ruines. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire avec, mais dans le doute, si je peux charger quelque chose, je vais le charger. Phase de magie, je vais tenter de jeter un sort. Oui, le premier de la partie. Je tente régression sur le personnage orc, mais il est dissipé. Phase de tir, je tente également de tuer le personnage orc à grands coups de flèche en mousse, donc on laisse tomber, mes pillards sont un peu mous. Phase de corps à corps, sans trop de surprise, les minotaures arrivent à dézinguer le chat, ils deviennent du coup frénétiques et avancent un tout petit peu, mais que de 1 des 6. Pendant ce temps-là, le géant redonne un coup de massue sur le bout de fer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Cette fois-ci, il rate son jet d'initiative. Je lui fais 10 points de dégâts. Au revoir, le bout de fer. Le chat qui est à côté voit ça et se dit, mon Dieu, mieux vaut que je me barre. Et se tire à la course. Ce qui m'arrange bien, c'est qu'il va se poser juste devant les lémures, ce qui va empêcher les lémures de charger au tour d'après. Tour d'après qui vient très vite, car c'est aux elfes sylvains de jouer. Et pour donner encore plus de poids à sa félonie, les sombres démons possédant des arbres décident de charger les paisibles bovidés que sont mes minotaures, et en plus ils les chargent de dos. Il n'y a vraiment plus de respect pour rien. Pendant ce temps-là, le reste de l'armée reste statique, excepté les forestiers qui gesticulent pour se mettre à portée de tir des gardes des cryptes, parce qu'ils commencent à s'éloigner. Phase de magie, l'enchanteresse passe une fureur de la forêt en pouvoir irrésistible sur mon pauvre géant qui décède à grands coups de racine dans la tronche.
Mais pire que tout, au moment où il décède, il tombe, il chope un minot et il lui fait perdre un point de vie. Bravo, le géant. Phase de tir, les forestiers tirent sur les gardes des cryptes, mais ratent tous leurs tirs ou ne blessent pas. Phase de corps à corps, sans trop de surprises, mes minotaures se font passer dessus et au revoir la vachette, vous n'aurez pas de lait, les dryades, la prochaine fois. C'est au joueur contre vampire. Le Wargulf se positionne pour aller cueillir des forestiers un de ses prochains tours. Les ghouls continuent d'avancer pour une obscure raison, tandis que les gardes des cryptes se positionnent face aux chevaliers des nécropoles pour pouvoir les charger un tour prochain ou encaisser une charge. Phase de magie, et c'est là où on voit que les oublis peuvent coûter cher. Le nécromancien réussit un pouvoir irrésistible sur son invocation de Nek. Et du coup, fait repopper tout plein de gardes des cryptes. Malheureusement pour lui, le fiasco, c'est petit gabarit, une touche de force 10. Le nécromancien, qui n'avait plus qu'un point de vie suite à l'oubli, meurt. Et les cinq ghouls qui sont à côté de lui et sous le petit gabarit meurent également en phase de magie, pas forcément super rentable. Phase de corps à corps, les nuées se débrouillent pour faire perdre un point de vie au char. Char qui rate son jet de commandement. Qui fuit, mais qui est rattrapé par des nuées, et les nuées vont, ô joie et bonheur, emboutir le bus d'ogre. Tour du roi des tombes, et là encore une merveilleuse trahison en perspective. Donc le roi des tombes se dit, nickel, je vais pouvoir charger avec mes chevaliers des nécropoles. Il tente de charger les gardiens des cryptes. Seulement voilà, le joueur contre vampire lui sort une carte, il divise par deux tous ses résultats de charge. Donc autant dire que c'est mal barré pour les chevaliers des nécropoles qui évidemment ratent leur charge. Même topo pour le scorpion, et pourtant j'ai essayé de lui filer une carte qui lui donnait un bonus de plus un des 3 pouces de mouvement, mais ma foi, voilà, quand ça veut pas, ça veut pas, il y a des jours où il faut même pas essayer. Phase de magie, le hiérophante réussit à passer le sort avec coup fatal sur les chevaliers des nécropoles. Ça n'influencera pas grand-chose, grand-chose. Tour des ogres, et c'est parti. Le personnage orc décide de charger le Minotaure de flanc. Il y arrive. Il n'arrive pas à récupérer son chat qui continue sa course. En passant dans les lémures, il doit faire un jet de terrain difficile et paf, il perd un point de vie. Donc autant dire que la pauvre bête est mal barrée. Le lance-ferraille se déplace pour avoir une cible à portée. Comme il faut, on va dire. Arrivée du deuxième cannibale qui va se positionner juste derrière mon char, et le premier cannibale essaye d'éviter la double charge de char. Phase de tir, le lance-ferraille essaye de tirer sur les gardes des cryptes et le personnage vampire dedans, mais j'utilise une carte qui empêche les machines de guerre de tirer. Je vais passer pour un salaud à force. Sournoisement, l'elfe sylvain utilise une carte qui lui permet de tirer sur les gardes des cryptes avec ses forestiers, même si ce n'est pas son tour. Grand bien lui prend, car il fait rien. Non, pas de blessure à nouveau, tout est sauvegardé. Bref, les forestiers, dans leurs plus beaux atours, ont réussi un coup de force qui valait la peine d'être souligné. Corps à corps pour les ogres, au lieu de se battre contre Méminotaure avec son personnage orc, il décide de libérer son bus d'ogre face aux nuées. Il fait un fait de place avec son personnage et arrive au final, à la fin du combat, à n'avoir plus qu'une nuée au corps à corps avec un seul point de vie. Je remarque actuellement que j'ai oublié un ogre en fait sur les dessins sur After Effects, donc je suis désolé de cet oubli. Fin du tour 3. Et bilan des caissettes, le comte vampire avec 1000 gagne, enfin toujours en tête. L'elfe sylvain avec 850 le suit. Moi avec 400, le roi des tombes avec 150 et l'ogre avec 100. Il faut savoir qu'au moment où l'ogre a joué son personnage orc, j'ai essayé comme ça un mercenaire de le soudoyer et j'ai claqué, je crois, 200 points pour essayer de le soudoyer, que évidemment le joueur orc a payé en plus. Donc c'est pour ça qu'il est si bas. Comme il était 23h au début du tour 4, on a décidé que ça serait le dernier. Le joueur contre vampire joue en premier, décide de charger les forestiers avec son Wargulf, mais le joueur elfe sylvain utilise une carte qui le force à trouver un autre adversaire pour cette phase. Le joueur contre vampire décide donc de charger le joueur roi des tombes avec ses gardes des cryptes.
Le reste des unités se repositionne. Durant la phase de magie, le vampire réussit à faire revenir deux ghouls. Et durant la phase de corps à corps, les gardes des cryptes contre les chevaliers des nécropoles, les gardes de cryptes perdent un ou deux des leurs. Et les chevaliers des nécropoles perdent un des leurs, plus quelques points de vie sur un des autres chevaliers. Début du joueur, pas de bol, Aka, roi des tombes. C'est parti pour la phase de la loose. Alors, phase de mouvement, le scorpion rate une charge sur les gardes des cryptes. Eh oui, monsieur, dame. Donc, du coup, il avance tout droit. Son hiérophante se tire le plus loin possible des ghouls, on n'est jamais trop prudent. La phase de magie commence bien, il arrive à avoir 9 dés de pouvoir. Il lance son premier sort, n'arrive pas au seuil, et du coup, c'est un échec. Il perd sa possibilité de lancer des sorts pour cette phase-là. C'est merveilleux. Durant la phase de corps à corps, ça se passe quand même un petit peu mieux. Les gardiens des cryptes font un mort chez les chevaliers des nécropoles. Les chevaliers des nécropoles font 3 blessures aux gardiens des cryptes. Mais les gardiens des cryptes gagnent le combat de 1. Le chevalier des nécropoles est en amalgame. Il ne perd pas de points de vie et reste au corps à corps. Tour du joueur ogre. Le lance-ferraille et le cannibale de gauche décident de charger les ghouls de concert. Le chat n'arrive pas à se ravoir et finit hors de la table. Et le cannibale qui se trouve à droite reste en face de mon char parce qu'il a gentiment envie d'en découdre. Et que comme il m'avait pas ciblé comme ennemi, il ne pouvait pas me charger. Phase de corps à corps, donc ça sera les ogres contre les morts-vivants contre vampires. Alors, sans trop de surprise, les ghouls se dépatouillent tant bien que mal, elles essaient de donner des coups, des griffes, des machins, mais bref. Résultat de combat, elles finissent par popper, piétiner par le lance-ferraille, le cannibale. Ça, c'est pas une grande surprise. Du côté du bus ogre et des nuées, bah, sans surprise non plus, les nuées finissent par popper pour laisser le bus d'ogre tout seul et libre de faire ce qu'il veut. C'est dommage, c'était son dernier tour. Tour des elfes sylvains et leur vilenie n'a pas de limite. L'unité de Dryade décide de charger le cannibale Merat. L'unité de Dryade juste au-dessus décide de charger le chef orc Dodo, mais rate également sa charge, donc elles avancent tous les deux un petit peu. Le reste de l'armée avance tant bien que mal. Les forestiers donnent un grand coup de collier pour avancer le plus vite possible en direction de proies sur lesquelles tirer. Au niveau de la phase de magie, le sort que l'enchanteresse lance est dissipé par mon magicien. Phase de tir, l'unité d'archer tire sur mes Ungor avec mon personnage dedans, mais je ne sais pas ce qui leur arrive. Ils tirent à côté, bref, en tout cas, ils ne font rien. Par contre, les forestiers, qui eux ont décidé de se droguer un bon coup, arrivent à mettre un coup fatal à courte portée au tir sur mon général et j'arrive malheureusement pas à sauvegarder. Un Ungor meurt de désespoir ou accessoirement d'une flèche dans la tête, à vous de voir ce que vous préférez. Le Ungor romantique, c'est mignon. Mais bref, tout ça pour dire que mes Ungor, courageux et puissants, décident quand même d'effectuer un repli stratégique et se barrent. C'est à moi et je décide de mettre un grand coup histoire de marquer un maximum de points. Le char de gauche décide de charger le lance-ferraille qui voit limite, mais il le voit. Donc il va l'emboutir. Le char du bas décide de charger le cannibale. J'arrive également à rallier mes Ungor, qui ne serviront à rien après, mais c'est un autre détail. Durant la phase de corps à corps, le joueur ogre joue une carte pour faire que son cannibale ait plus 1 de force. Ça ne lui servira à rien. Les touches d'impact suffisent à aplatir le cannibale. Concernant le lance-ferraille, je fais également un maximum de touches d'impact. Il riposte, mais n'arrive pas à faire grand-chose. Et mon petit Ungor, avec sa lance, met le coup fatal sur le lance-ferraille. Tous les gnoblards détalent et je gagne les points. Du côté du personnage orc, il est armé d'une arme lourde. Mon minotaure frénétique, lui, a bouclier et arme de base. Je lui mets 4 attaques dans la tronche. Il a beau avoir une de plus de sauvegarde, il n'arrive pas à sauvegarder 2 blessures et il est mort avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Bilan de la partie. Alors, les caissettes, 1200 pour le comte vampire qui finit premier. Deuxième, l'elfe sylvain avec 1050. Troisième, l'homme bête avec 950. Avant-dernier, l'ogre avec 400 points. Et dernier, le pauvre roi des tombes avec 150 points.
Alors voilà, partie très sympa. Je vais faire un petit débrief du supplément ainsi que, disons, petit débrief stratégique, même si ça se vaut pas, enfin, ça se vaut pas très très sérieux. Alors niveau partie, c'était vraiment une partie très très sympa avec des très bons adversaires. On a joué une partie à 1000 points avec la possibilité de prendre 200 points de mercenaires. Je pense que c'est un format à 5 qui est plutôt agréable. Il faut bien se dire qu'on joue à triomphe et trahison. Donc, on a beau dire qu'on joue en amical, quand on joue en 1 contre 1, gagner, ça fait plaisir, etc. Par contre, là, niveau stratégie, c'est très très difficile d'avoir une stratégie basée sur, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, mon unité va servir à ci, à ça. Il y a trop d'aléatoires, trop de cartes. Je pense qu'une partie à 1500 points, 5, peut être aussi très intéressante. Il y aurait des unités en réserve. Il y aurait plus de choix, plus de magie, plus de... Ouais, il y aurait peut-être plus de choses à faire. Le scénario en soi est un scénario classique, on va dire ça comme ça. Tenir un point d'objectif en centre de table rapportait 100 points, ce qui n'est pas extrêmement énorme, ça fait toujours son petit plus. On n'a pas eu l'impression qu'on a joué beaucoup de cartes, c'est faux, on en a joué tout plein. Seulement, on a joué aussi beaucoup de cartes qui permettaient, si un joueur gagnait un combat, nous de remporter des pièces en plus. Seulement, je ne l'ai pas mentionné dans le rapport de bataille parce que ça alourdirait le rapport de bataille pour rien. Et puis, on n'est pas à 50 pièces près, enfin, c'est pas ça qui est intéressant à ce niveau-là. Je pense que Triomphe et Trahison est un bon supplément, mais il faut vraiment le prendre comme un. Une partie vraiment vraiment fun, il faut pas du tout y aller avec, avec une quelconque envie de gagner. Comme je l'ai dit avant, on ne sait pas tellement ce qui va nous tomber sur la tronche. Le joueur roi des tombes s'est fait ramasser dès le début, il n'a pas réussi à remonter. Ça peut être super difficile. Il faut que les joueurs évitent de s'acharner sur un seul, parce que sinon c'est clair que c'est pas très sympa. Et puis il faut surtout que les joueurs aient un minimum de fair play. Parce que ce serait dommage de piquer la mouche parce que une partie de Triomphe et Trahison, les joueurs ont été méchants avec moi, ouin, 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 et puis on passe trois plombes après à en vouloir aux autres joueurs. Non, c'est vraiment une partie hors du cadre classique, je dirais. Mais c'est très intéressant de la jouer et puis ça fait extrêmement plaisir, plutôt que d'une bataille rangée ou en sang et gloire ou j'en sais rien trop quoi, d'avoir un scénario qui peut vraiment, vraiment partir en sucette. Au niveau du supplément encore, je dirais que la règle de rendre les unités neutres, intouchables, que ce soit par des sorts, par des mouvements, par des tirs, de gabarits qui dévient, etc., n'est pas une mauvaise règle. Ça peut vraiment vite partir en sucette si un gabarit qui dévie et qui atterrit sur une autre unité. Ça pourrait presque, je dirais, être de l'anti-jeu ou de l'anti-fair play en disant ah, je déclare machin comme ennemi, mais je vais essayer de tirer sur truc parce que voilà. C'est à voir. Certains aiment jouer avec cette règle-là, d'autres pas. Au final, un jeu, c'est pour le plaisir. Donc, on se fait plaisir avec ce qu'on veut. Si les règles sont à changer, il y a des règles à changer. Les mercenaires, on les a pas beaucoup vus, hein, je dirais, avec les orques qui étaient là, qui n'ont pas particulièrement été. Je dirais pertinent. Je pense que quelquefois, jouer avec les... Il faut jouer les cartes, il faut vraiment les jouer, parce que sinon, elles restent en main, et puis on va garder la bonne carte pour telle occasion et tout, mais au bout de 5 cartes, il faut quand même qu'on change de main, donc ça change beaucoup. Et surtout, le gros truc qui fait qu'on ne peut pas avoir de vraie stratégie, c'est les tours aléatoires. On ne sait jamais quand on va jouer. Alors c'est bien beau de se dire oui, je suis en position de charge et tout, mais si le dernier joueur du tour d'avant est le premier joueur du tour de maintenant, ça peut tout changer. Vous pouvez vous faire piquer une charge, vous pouvez vous faire charger alors que vous vous y attendiez absolument pas. Non, c'est vraiment très très difficile d'avoir une stratégie et c'est au final ce qui rend le jeu, ce style de jeu vraiment très sympa. Si vous êtes un grand stratège qui fantasmait sur toutes les stratégies de Warhammer, hormis les boîtes de dés et autres, ne jouez pas à ça. Si votre leitmotiv de jouer, c'est de la stratégie, non, ne prenez pas ça. Là, c'est vraiment pour avoir une table, si possible, le plus bordélique possible, à droite, à gauche, ça tape dans tous les coins, tout le monde essaie de se tirer dans les pattes et d'essayer de sortir son épingle du jeu. Non, c'est très sympathique d'essayer de surnager, mais c'est pas du tout, au niveau de la stratégie, quelque chose
de très satisfaisant. Après, les coups tordus entre les joueurs, où du coup, trois joueurs se retrouvent du même côté de la table et regardent les mêmes unités d'un joueur qui n'est pas avec eux, ça fout la pression quand même. Non, il y a vraiment des choses au niveau du jeu autour de la table à faire. C'est très agréable de jouer comme ça. Voilà, moi j'aime beaucoup le supplément. Je le trouve très très bon. Il est un peu cher si vous l'achetez tout seul, mais si c'est pour un club ou un groupe d'amis qui jouent ensemble, c'est un investissement qui peut se partager et qui peut être très très rentable. Donc, au niveau du supplément, en résumé, je suis satisfait, je suis content. Je ne jouerai pas tout le temps sous ce format-là, mais quelques parties, histoire de vraiment déconner, de vraiment se faire plaisir avec autre chose. Ça, c'est très très bon. Je vous remercie d'avoir suivi ce rapport de bataille. J'espère que ma voix cassée ne vous a pas trop dérangé. Je vous dis à dans quelques temps pour un nouveau rapport de bataille, cette fois-ci, à mon avis, plus classique. Et en attendant, que les dés soient avec vous.